Tails, anyone? Heads. Les recommandations de James Kiotavong, le Britannique, l'arbitre de cette partie très attendue entre le 57e joueur mondial Bernard Tomic, 21 ans. Premier ace. Il a déjà montré quelque chose à son entraîneur sur le point précédent. Une élongation dès les premiers points, ça serait dommage. Pris. Compte sur son habileté de main pour remettre les balles contre Nadal. Une remise, ça ne suffit pas. Il faut vraiment, voilà, il faut agresser. Autour de Bernard Tomic. C'est généralement, il y a le kiné, là, il y a le docteur, le kiné, le docteur et le superviseur. Ah non, il s'en va avec eux. Il s'en va avec eux, ils vont peut-être le piquer. Alors on surveille la qualité de déplacement de Bernard Tomic. On rappelle donc visiblement touché à l'adducteur gauche. Ouais, alors ça déjà c'est la filière à éviter face à Rafael Nadal. Essayer de prendre la balle le plus tôt possible, rentrer dans le court comme il le fait là. La grimace. On n'est pas là et ça continue de batailler sur le court numéro 7. 6-5 pour Daniel Brandt face à Gilles Simon. Pas de break. Attention, attention. C'est super. Game, un premier enchaînement service volé. Et il n'a pas attendu d'avoir Edberg comme coach. Quelle merveille de smash. Qu'est-ce que c'est bien fait. Sur la ligne. Pour couper la trajectoire. Pareil. Oh, le contre. Donc ça veut bien dire qu'il est surpris. Ah, puis il y a une excellente qualité de première hein, jusqu'à maintenant. Ouais. Ah, mais il n'a rien à faire. Ça n'est jamais vraiment simple à gérer. Sur la ligne. Instant attendu. Et on voit à quel point la chaleur est impressionnante parce que les deux joueurs dégoulinent littéralement. Comme quoi cette semaine, cette finale à Sydney n'aura pas été finalement si bénéfique. C'était bon pour la confiance, mais c'était pas bon pour le physique. En même temps, c'est des joueurs qui sont pas habitués à faire des finales. Il en a fait qu'une dans la vie. Et Nadal, il a bien vu, hein, il a bien vu où ça pêchait du côté de Bernard Tomic. Et bien sûr, il va essayer de le faire courir, de le faire se déplacer. Première manche remportée par l'Espagnol en 39 minutes sur le score de 6 jeux à 4. Ouais, comme vous le disiez justement, c'est déjà pas simple de jouer Nadal en 5-7. Mais alors en étant diminué physiquement, c'est carrément mission impossible. Oui, très clairement. D'ailleurs, Tomic agite la tête, il a l'air de dire qu'il ne peut pas continuer. Il y a la Coupe Davis, hein, bientôt aussi, il arrête. Voilà. Il arrête. Et il doit savoir hein, que c'est dur pour le public, mais voilà, il va aller voir Rafael Nadal. Et il abandonne Bernard Tomic après seulement un set pour le plus grand désarroi, bien sûr, du public ici.
Voilà, Rafael Nadal qui est finalement privé. Ah non, il se fait siffler là, c'est quand même dur hein, par le public de la Rod Laver Arena. Bon, c'est vrai qu'ils ont payé pour avoir un match, mais si le joueur ne peut pas disputer ses chances, c'est bien normal qu'il abandonne parce qu'il peut aussi aggraver cette blessure. Bien sûr, et puis c'est le premier déçu quand même. Je pense qu'il attendait beaucoup de ce match aussi. Mais là, sur ce coup-là, ça ne mérite pas de siffler parce que c'est une décision logique. Complètement. Et voilà la rencontre entre Nadal et Jim Courier. Nous allons entendre. Oh, Rafa, first match. No player likes to win a match like that. What can you say about personne n'aime gagner comme ça, Rafa. First of all, I just want to say I'm very sorry for Bernard. D'abord, je veux dire, je suis embêté pour Bernard. J'espère qu'il va se remettre très vite. I know how tough is this situation. Je sais à quel point c'est dur cette situation. In this fantastic course, so just all the best for him for the rest of the year. Donc je souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Je sais que c'est vraiment difficile et de passer par des moments compliqués. I think since the beginning I saw a little bit that he had some problems on the leg, but it's true that for the first few games he was serving unbelievable. I couldn't. J'ai vu dès le début qu'il avait des problèmes à la jambe, mais il servait très très bien au début. Games, but I was, you know, trying to maintain myself and wait for my moment, but anyway, it's difficult to comment a match like this. Moi, j'ai juste attendu mon moment, que mon moment arrive, mais de toute façon, c'est difficile de commenter un match comme ça. On est content de voir revenir ici après ton absence l'année dernière. How is it for you to be back here in Australia once again? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ici de nouveau en Australie cette année? Beaucoup de choses. The feelings that the last match I played since that one is just unforgettable for me. Je ne l'oublierai jamais, bien sûr, le dernier match que j'ai joué ici avant celui-là, à cette finale, il y a deux ans. So was one of the, even if I lost, j'ai perdu, mais top moments of my career. C'est le plus grand moment de ma carrière. We are playing in one of the best stadiums that we can play and one of the best plus beaux stades qui existent, un plus beau pays aussi, un pays que j'apprécie beaucoup. In Australia. En Australie. The fans always were unbelievable with me and les supporters ont toujours été très bons avec moi, incroyable. Et vous m'avez manqué l'année dernière. An incredible season. How did your body feel at the end of the year? Saison incroyable. Comment ton corps se sent en ce début de saison? The first goal of the year of last year when I was back is finish the year. Premier objectif l'an dernier, c'était de finir l'année. That's what happened. I finished the year. Je suis revenu. I finished the year playing one of the best seasons of my career. J'ai fini en faisant l'une des meilleures saisons de ma carrière finalement. The season was good. La fin de saison était bonne. The season after the tough one always the body is a little bit tougher, some pains but nothing really bad. So I am able to start quelques petites douleurs, mais je suis vraiment capable de bien commencer la saison pour essayer de faire encore une grande saison. Versus, say, 5 years ago? Yes, a little bit. I am not able to run as much as I did before in the practices. Now I try to wait a little bit for the matches. L'entraînement. J'essaie de garder ça pour les matchs. And it's true that the last, you know, last couple of years I didn't practice as hard as I used to do it 5-6. Je ne suis pas entraîné peut-être aussi dur ces dernières années que je le faisais il y a 5-6 ans. Can't let you go without one personal question. Has your girlfriend ever come with you to this tournament, Siska? Ta petite amie est venue sur ce tournoi. Why? It's too far. Pourquoi t'es jamais venue? Non, non. Pourquoi? Parce que c'est trop loin. But you make the trip every year. Why doesn't she come? Come on, Siska. We need you down here. On a besoin d'elle quand même ici, non? When are you going to bring her? Pourquoi tu viens pas avec elle? Well, if the girls from Australia are not that sad, so yes. I'm going to leave you with that one. I'm going to let you deal with the people here. Rafael Nadal into the second round. Question très personnelle, effectivement. Et c'est vrai qu'elle est de plus en plus souvent présente. On ne sait quand même pas ici à Melbourne. Rafael Nadal qui a eu une longue interview. C'est normal parce que le match a été court. Et que Jim Courier parlait très lentement exprès parce que Rafa a encore quelques difficultés avec l'anglais, mais il parle de mieux en mieux quand même. Complètement. Allez, on regarde les statistiques. Bon, de toute façon, c'est un premier set, un match tronqué, évidemment. Tomic avait tenu, comme l'a dit Rafa Nadal, parce qu'il a très bien servi en début de set, mais évidemment son physique ne pouvait en tenir. C'était évident qu'il ne pourrait pas aller au bout de ce match. Et Rafa Nadal est donc préservé, très préservé même, beaucoup de réussite.